émission qui se joue de la tune, people. Avec nous ce soir, 5 terriens extra, Florence Boccolini, Elisa Tomati, Elise Emeux, Yann Moix et Paul Vermus. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bienvenue. Alors, Laurence Boccolini, vous êtes le maillon fort, bonjour, je dirais. Bonjour. Alors, c'est incroyable avec cette émission, chaque fois que je la regarde, je comprends pas comment vous trouvez encore des gens qui sont capables de répondre salade quand on leur demande qui est le président de la République. Ce qui est étonnant, c'est que pendant les castings, ils ne sont pas super nuls. Et arrivés sur le plateau, ça doit être ma présence qui les rend un peu ouais, voilà. Ils sont impressionnés, quoi. Un peu vides. Ouais, ouais, ouais. Ouais, je pense qu'ils sont impressionnés. Alors, le maillon faible, donc, le dimanche à 17h50 sur TF1. Et puis également sur TF1, vous êtes l'héroïne de la série Mademoiselle Joubert, voilà. Et puis on peut rappeler aussi que vous êtes maîtresse SM au club Domina de la rue Vavin. Rue Vavin, voilà. Demandez mes tarifs à la caisse. Pour tous les amateurs, très très bien, très très bien. Elisa Tovati, bonsoir. Alors vous nous parlerez de la ressortie de votre album « Je ne mâche pas les mots » avec un morceau en plus. Vous nous direz comment est né ce morceau. Oui. Mais alors, tant qu'à ressortir l'album, franchement, pourquoi ne pas avoir changé la musique, les paroles et la chanteuse? J'ai pensé à vous et j'ai pas osé vous appeler. En tous les cas, ça me donne l'occasion de vous revoir, je suis ravi. Vous pouvez ressortir tous les ans comme ça, ma chérie. D'accord, avec bonheur. Très heureux. Elise Emeux, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes ici pour votre deuxième album qui s'appelle Sur le fil, qui est assez étonnant. D'ailleurs, vous foutez complètement à poil dans cet album. Très beau, on en parlera. Et on parlera aussi du Elise Emeux American Dream World Tour. Yes. Vous partez aux États-Unis? Oui, je vais jouer là-bas. Oh là là. C'est beau, hein? Ah, c'est énorme. Ouais. New York, Los Angeles, Miami. Exactement. Mais pas de chansons là-bas? Non, pas de chanson. C'est vrai qu'ils ont dit, s'il chante, on ne lui donne pas le visa, non? T'as un beau salaud, tiens. Vous direz comment bonsoir New York, Ellie? Kevina, ça peut être marrant en anglais. Can I have a McDonald's? McDonald's, ça peut être pas mal. McDonald's, ça va. Alors, Yann Moix, vous préparez votre deuxième film, donc après Podium. On vous souhaite autant d'entrées. Hein. Merci. Et vous collaborez, à voici, donc, aux pages People, qui s'appellent Eux et Moix. C'est ça. Vous l'avez annoncé comment à vos parents, vous rentriez à voici? Je n'aurais pas annoncé, je suis même sûr qu'ils n'en savent rien. Ben voilà, c'est ce soir. Voilà, alors Paul Vermus, bonsoir. Ouais, bonsoir. Vous êtes journaliste à France Soir, qui sort le matin, et à VSD, vendredi, samedi, dimanche, qui sort le mercredi. Il y a quand même un problème, là. Mais c'est le paradoxe de la presse, c'est ainsi. Ouais. C'est ainsi. Et c'est un des paradoxes, il y en a d'autres. Ah oui, sans doute. Oui. Sans aucun doute. Alors, vous êtes en plus chroniqueur donc, dans les émissions de Laurent Ruquier sur Europe 1 et sur France 2. Et il est homosexuel, je crois. Hein. Oui. Oh non, donc, vous n'avez pas recommencé avec cette histoire. Non. Oh non, je vous en supplie. On a vu ça. Non, il y en a marre de cette histoire. Non, mais écoutez, c'est cette pastronne de... Cette pastronne de Christine Bravo. Mais non, qui non, non. Mais ça se voit que t'es habillé comme un PDV. Écoutez, j'ai un petit blazer cintré, j'ai une petite coiffure tout à fait classique, une petite pochette des années 70. Qu'est-ce que vous avez contre? Il en faut. J'ai rien contre les PD. Non, alors l'histoire des PD maintenant, ça va. Hein, on arrête. Donc, une émission un petit peu particulière ce soir. Puisque nous sommes la veille du premier tour et on n'a pas le droit de parler politique, on a donc décidé de faire une spéciale People. Et on commence avec le hit de l'actu People de la saison. Attention, on commence. Jamel Debbouze et Mélissa Theriot ensemble. C'est le plus important. Ouais, pour moi, oui. J'étais là quand ils se sont rencontrés. Ah oui, c'est génial. Je peux témoigner. Bon, toi déjà, t'as voté, toi. Non, moi j'ai voté. Ah, voté. Oui. Bon, Sophie Marceau et Christophe Lambert ensemble. C'est pas mal non plus. Oui, si ça dure, ça sera bien. C'est pas mal. La séparation de Claire Chazal et Philippe Toretton. Le pétage de plomb de Jean-Luc Delarue. Là, j'ai un petit magnéto quand même. J'ai accepté la peine qui m'a été proposée par Madame la procureure, à savoir 3 jours de stage de citoyenneté, auquel j'ai ajouté de mon propre chef... un stage chez Air France pour en finir définitivement avec
avec ma phobie de l'avion. Voilà. Oui. Jean-Luc Delarue qui a donc la phobie de l'avion, je le répète, et qui ne supporte pas le Lexomil, ça l'énerve. Yes. Dernier hit de l'actu possible, donc, La descente aux enfers de Britney Spears. Oh là, pareil, remagnéto, Ça fait de la peine. Ouais. Terrible. Fait de la peine. Ouais, bien sûr, bah oui. Star trop jeune. Vous avez l'air tout chagrin, il n'y a pas de quoi. Ah si, je suis chagrin. Si, si, moi. Ah je suis chagrin. Alors, voilà, le hit de la saison People. Pour moi, si je peux me permettre, c'est de la rue, parce que ça pose un vrai truc. Aujourd'hui, il y a une expression qui existe, qui s'appelle « j'ai pété les plombs, pété les plombs ». Alors cette expression, elle a un truc extrêmement pernicieux, qui est que dès qu'on l'emploie, elle sert d'excuse. Ah mais c'est normal, mais oui, il faut l'excuser, il a pété les plombs. Raison. Le problème, c'est qu'il y a une justice à deux vitesses, c'est pas ça normal. Ça va, oh, tais-toi. Eh, oh, oh. il commence à péter les plombs. C'est pas encore pété les plombs de Paul Bernus. En direct. Franchement, on a quand même l'institution judiciaire, de quoi elle a l'air? De quoi elle a l'air? Franchement, vous avez voyé des tas de gens qui ont des peines, qui ont passé un mois, deux mois, trois mois en prison, et là, trois jours de stage. Ouais. Non, mais on rit, on faisait... C'est pas normal. Moi, j'ai rien contre lui. Je n'ai jamais été dans ses restaurants. Vous votez pour quoi, Paul? Bah, je vais voter sourire. Je vais voter Debbouze et... Et Mélissa. Et Mélissa. Debbouze, Mélissa. Élie, vous nous l'avez dit, oui. J'étais présent, donc... C'était beau. Voilà, j'ai participé un peu à... Ça s'est passé où? Ça s'est passé en Espagne, sur le tournage d'Astérix. Voilà. Alors, Elisa, la plus jolie fille de la télévision avec le mec le plus drôle, je trouve. Avec que le mec c'est... le plus drôle, drôle. Ah, pas bien entendu. Élie, il est hors catégorie. D'accord. Parce que quelqu'un qui chante et qui en même temps fait rire autant, c'est rare. Donc, voilà. Jamel, il n'en est pas encore là. Oui, il est bien son disque. Ouais, super. Alors, il reste que vous, Laurence. Ah, vous me dites vous maintenant alors, bien. Alors, au début. Je dirais, la pauvre fille, Britney Spears, moi, ça me fait de la peine. Bien. Voilà. Alors, le hit de la saison People est Jamel Debbouze et Mélissa Theuriot ensemble. Normal. L'équivalent pour les années 80, c'est Coluche et Christine O'Krent ensemble. Oui, absolument. Voilà. On continue avec les images de la semaine. On commence avec l'image la plus beauf de la semaine. C'est ce qu'il fait Berlusconi quand il rencontre une pervenche dans la rue. Il la tape, il la... Vous allez voir. Ah bon? Oui, c'est pire que ça. Oh, mais quel porc! C'est Berlusconi, ça? Ouais, c'est vrai, c'est incroyable. Ah non, 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 c'est pas Berlusconi, si, si, il a été président du Conseil. T'imagines Chirac qui fait ça? C'est vraiment incroyable. Alors, c'est une image qui nous a été envoyée par Vince23. Si vous aussi, vous trouvez des images comme ça sur Internet. De Berlusconi, entre autres, on les prend volontiers. C'est immonde. Ah oui, c'est terrible. L'image la plus super blonde de la semaine. Allez bien, vous allez voir. Basically, more urban or rural, Kathy? I don't know what they mean. Well, you know him. Now you married him. What do you think? Heck, he's urban. He's urban. How long has he been that way? About 2 months. 2 months he's been. Do you think there's anything he can do about it? He went to a doctor. Oh, he did? The doctor give him anything for his urban? He gave me something. Voilà. Encore Vince 23. Merci. Bravo. Extraordinaire. C'est lunaire. Alors, on continue avec l'image la plus action directe de la semaine. On se demandait ce que Bourriquet était venu. Voilà, on va voir. Stevie Boulet doit quitter France 2 et le service public. Le front anti-Stevie a détruit Bourriquet. Franchement, c'est un garçon qui je trouve qu'il a du bon sens. Ouais. Il a tout appris de la vie très rapidement, alors qu'on lui fiche la paix, ce garçon. Vous seriez pas un peu pédé, vous? Moi, ça suffit. D'ailleurs, j'ai lu votre livre cet été.
Là, ça se voit. J'ai lu votre livre cet été et vous en avez fait de meilleurs. J'ai eu un mal fou à rentrer dans votre bouquin. Commençons pas. Bien. Alors, l'image la plus 30 millions d'amis de la semaine maintenant, c'est le petit nounours. Il s'appelle Knut. C'est au zoo de Berlin. Ouais. 125 000 personnes sont allées le voir dimanche dernier. Regarde. C'est l'idole des Allemands. On en veut, hein. Ah, j'ai la vidéo aussi. Ouais. Oh, il est beau. Il vaut mieux ça qu'Adolf Hitler, hein. Ils adorent Knut. L'image la plus jordi de la semaine. On est vraiment au cœur du chou, là. Vous allez voir, on est dans le chou, là. Vous allez voir. Elle est mignonne, non? Elle est adorable. Ah, ça, c'est très marrant. C'est l'image la plus feignante de la semaine. C'est un groupe qui fait une choré sur un tapis roulant. C'est rigolo. Non, je le connais, ça va être là. C'est vachement bien, ce que ça. Voilà, envoyé par Chloé Sélérien. Bonne idée. Hein. Très, très bonne idée. Donc, c'était les images de la semaine. On va maintenant décerner le premier Alien d'or de la soirée. L'Alien d'or de l'info people qui vous intéresse le moins. Ah. Alors, Karine Viard s'est acheté un appartement dans le 19e arrondissement. Déjà, ça, c'est... Ça, c'est pas intéressant du tout. On s'en fout grave, hein, quand même. Ça. Jean-Jacques Goldman a engagé un prof de fitness à domicile. On s'en fout aussi bien. On s'en fout grave. Chimène Badi s'est fait rajouter des cheveux. Ah non, c'est important. C'est important. Donc ça ne sera pas pour ça que tu voteras. Noémie Lenoir s'est teinte en blonde. Ouais. Et Pamela Anderson et Tommy Lee se sont remis ensemble. Tommy Lee. Ah, tu votes pour quoi, toi? Le moins intéressant de tout. Le moins intéressant, je dirais Karine Viard. C'est vrai qu'on s'en fout on grave. On s'en fout grave, quand même. Elisa bon, c'est tout. On s'en fout d'un peu de tout, mais tout, peut-être tout. Noémie Lenoir teinte en blonde. Ouais, ouais, on s'en fout aussi, beaucoup. Ouais. Yann. Moi, Karine Viard, parce que, qui achetait un appartement dans le 19e, parce que j'habite dans le 18e, donc je m'en fous de ce qui se passe dans le 19e. Élie. Moi, je cherche un truc drôle à dire là-dessus, mais... Ouais. Rien du tout. Tu n'as pas besoin d'être drôle, t'es chanteur. J'estime que ça n'a aucun intérêt. Et voilà. Pas mal. Je suis bien sorti. Chanteur drôle, quand même. Donc, tu votes pour qui, quand même, que tu votes? Ouais, ouais. Oh, alors, Pamela Anderson. C'est ouais, Pamela Anderson. Et vous, Paul? Noémie Lenoir, qui s'éteint en blonde. Ne me demandez pas pourquoi, je suis incapable de vous répondre. Alien d'or de l'info people la moins intéressante de la semaine, ex aequo. Noémie Lenoir, qui s'éteint en blonde, et Karine Viard, qui a acheté un appartement dans le 19e, voilà. Nous allons commencer cette deuxième partie d'émission en décernant un deuxième Alien d'or, l'Alien d'or du couple le plus incroyable de tous les temps en France. Attention. Donc, Ophélie Winter et Alain Chabat. Amel Bent et Édouard Baer. Salma Hayek et François-Henri Pinault. Sophie Marceau et Christophe Lambert. Ariel Dombal et Bernard-Henri Lévy. Alors, Laurence, je vois que vous êtes très intéressée. Salma Hayek. Salma Hayek, oui, c'est oui, étonnant. C'est étonnant. Yann. Moi, je dirais Ariel Dombal et Bernard-Henri Lévy, mais dans un sens très simple, où ils sont tous les deux incroyables. Voilà. C'est normal qu'ils forment un couple incroyable. C'est un couple incroyable. Incroyable. Absolument. Voilà. Ah, oui. Elisa. Oh, je pense aussi François-Henri Pinault et Salma Hayek. Ouais. C'est la belle et la bête, un peu, non? Oh, ben la bête. Non, il n'est pas... Ceci étant, c'est pas non plus plumé, hein, c'est clair. N'imaginez pas Salma avec quelqu'un comme ça. C'est parce qu'il a de l'argent, non? Non, pas du tout. Non, c'est la question que je me posais. Ophélie Winter à la Chabat. Ouais. Quand je l'ai appris, ça m'a étonné. Tu sais qu'elle a mis sur son CV, au chapitre expérience professionnelle, elle a mis Alain Chabat. C'est dégueulasse. Moi, c'est Salma et Pinault, oui. D'abord, il faut savoir quel est le contrat de mariage. Je pense qu'il a suffisamment de bons avocats pour ne pas avoir de problème au niveau du contrat. Hein.
Ouais. Bon, tout le monde est très emmerdé. On est vachement embêtés sur ce coup-là. En tous les cas, elle a gagné. Elle a gagné le gros lot. L'alien d'or du couple le plus incroyable de tous les temps en France est attribué à Salma Hayek et François-Henri Pinault. Alors, Elisa Tovati, donc vous ressortez un an après votre album « Je ne mâche pas les mots ». Il faut voter, là, non ? Non, avec un nouveau titre. 9 mois. Alors, c'est marrant, cette chanson. Ça, vous avez fait un concours, hein, sur Internet ? J'ai lancé sur mon site un concours où j'ai donné 4-5 thèmes que j'avais envie d'aborder dans l'album. Un concours pour tout le monde. Et évidemment, je pensais recevoir 100, 200 textes maximum. Et ça a très, très bien marché parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de talent. Vous avez reçu 1500. 1500, 1500, exactement. Et elle a choisi une chanson qui s'appelle 9 mois, qui est écrite par un professeur d'économie qui s'appelle Emmanuel Béal. Oui, qui habite dans le 20e. Moi, qui n'aimais pas trop à les côté profs, de Karine c'est une grosse surprise. Pas très loin. Voilà. C'est pas mal, en plus. Si chérie, tu m'aimes un peu, des mois, il n'en reste que 4. Si tu veux faire pour le mieux, ne remarque pas que je m'empâte. Tu devrais plutôt être heureux, toi qui n'aimes pas trop les filles plates. Je sais que tu fais des envieux, y'a pas que mon ventre qui se dilate. Si chérie, tu m'aimes toujours, des mois, il n'en reste que 3. Il faudrait peut-être qu'un jour, tu ailles dormir sur le sofa. Parce que l'enfant est peut-être sourd, mais moi je te jure, je le suis pas. Et pour enfler tes hors concours, je dois me reposer, c'est marqué là. Elisa Tovati, l'album s'appelle Je ne mâche pas les mots et la chanson 9 mois, voilà. Vous avez beaucoup changé, hein, Elisa, quand même. Hein. Ah bon, vous trouvez, ouais. Thierry c'est ce... Attends, il a rien dit encore. C'est ce psy qui vous a décoincé, non ? Vous êtes beaucoup moins lisse qu'avant. Oui, décoincé, c'est tout à fait le terme. Alors maintenant, elle se lâche complètement, Elisa Tovati. Vous avez déclaré à Télé 7 jours, si j'ai envie de camembert, je n'ai pas à m'en priver, par exemple. Oui, alors ? Ça, c'est rebelle. Bien sûr. Non. Moi, pareil, Laurent Blochon, oui, allez, toi aussi, oui, allez. Tout, allez. On s'en voit en l'air. 100 ans de psychanalyse. Non, il y a quand même, excuse-moi, il y a quand même un peu plus hard que ça. Il ne faut pas que tu te vexes si je te remplace par le majeur et l'index. Oui, c'est bien chaud là quand même. C'est une chanson sur l'onanisme et c'est une femme qui a envie de satisfaire ses désirs et ses envies sans forcément attendre son chéri ou son mari quand il rentre à la maison. Ça a été utile le psy quand même, je n'aurais jamais fait ça avant. Ça a décoincé. Hein. Bien, alors vous n'échapperez pas, ma chère amie, vous en doutez bien, à une interview Femme Actuelle. Il n'y a aucun problème. Voilà. Alors, coucher le premier soir, fait ou à faire ? Pas fait et 6 coups de foudre, pourquoi pas. Ah, c'est possible. Je suis mariée, Thierry. Ah oui, non, mais bon, c'est pas parce qu'on est mariés qu'on... Mais c'est la première année, donc on parle pas encore de tromperie. Ah, c'est la première année. Oui. Ah ouais. Ah, vous en parlez pas encore. Non. Rouler des patins à des filles, fait ou à faire ? Pas fait. Ben, c'est ce soir. À mon avis. À mon avis, dans un film, un jour ou l'autre, on me demandera. Donc, peut-être le à film. Faire. D'accord. Oui. Vous plaindre en cas de non-orgasme, fait ou à faire ? Oh non, mais l'orgasme, c'est pas une finalité dans la sexualité. Oui, une fille sympa. Les psys. Vive les psys. Il a bien bossé, hein, le mec. Il est bien, ce psy. Ah, il est bien. Violer un mec, fait ou à faire ? Sûrement fait, mon mec. C'est-à-dire que tout d'un coup, il est en train de regarder le foot, par exemple. J'ai Chut, on ferme les yeux, Ben, je suis prête à utiliser tous les stratagèmes pour le dissuader de regarder le foot et me jeter sur lui pour qu'on fasse quelque chose de beaucoup plus palpitant. Acheter un sextoy, fait ou à faire ? Oh, fait, j'en ai plein. Ah. Bah, tu les as laissés là. J'ai tous les plus gros. Ah, j'en prends les plus grands. Quand il n'y a pas de football à la télé, vous avez le sextoy. Bah oui, au moins, comme ça, je suis jamais seule désespérée dans ma chambre. Quitter un mec parce qu'il est nul au lit, fait ou à faire ? Non, je ne l'ai pas fait, mais j'aurais dû. Ouais. Ça fait qu'un an qu'ils sont ensemble en même temps. Oui, tu vas me dire. Non, mais je parle pas du mien. Alors cette saison, chez les people, enfin surtout chez les femmes people, il y a deux grandes tendances qui se dessinent. Les grosses lunettes à la Jackie Kennedy et l'adoption d'enfants du tiers-monde. Voilà. Alors évidemment, une question se pose. Est-ce que c'est si bien que ça, les grosses lunettes à la Jackie Kennedy ? Allez les enfants, on laisse tourner la roue du hasard et on reprend tous en cœur. L'adoption, l'adoption, l'adoption.
C'est la nouvelle loterie organisée par les stars d'Hollywood pour les enfants du tiers-monde. Pour participer à cette loterie, il suffit de vous inscrire à l'orphelinat le plus proche. Et là, une star viendra vous adopter. Enfin, peut-être, hein. Parce que bien sûr, on ne pourra pas prendre tout le monde, hein, vu que selon l'UNICEF, vous êtes plus d'un milliard à vivre sous le seuil de pauvreté. Vous hésitez encore à vous inscrire ? Alors pensez au super jackpot décroché par David, 5 ans, du Malawi. Adopté par Madonna. Il gagne une vie de rêve en Occident, un héritage de plusieurs millions de dollars. Jusqu'à présent, il n'avait pas eu de chance, mais la chance, ça tourne, sacré petit vénard. Regardez Pax Tien, 3 ans, du Vietnam, abandonné par sa mère héroïnomane de 16 ans. Eh bien, grâce à la loterie d'Hollywood, le voilà casé auprès du couple le plus glamour du monde, Angelina Jolie et Brad Pitt. Et attention, il reste de nombreux lots à décrocher. Jennifer Aniston est jalouse d'Angelina Jolie, elle veut aussi adopter. Victoria Beckham, pour être à la mode, elle aussi va adopter. Allez les enfants du tiers-monde, allez, inscrivez-vous vite à l'orphelinat le plus proche. Qu'est-ce que vous allez faire sinon ? Escalader les barbelés de nos frontières ? Traverser la mer sur une barre toute pourrie ? Mais puisqu'on vous dit qu'on peut pas accueillir toute la misère du monde, c'est formidable ça tout de même ! Allez les enfants du tiers-monde, faut arrêter ces caprices maintenant. Hein. Un peu de patience, une star d'Hollywood va bientôt vous adopter. Par contre, juste un truc, si c'est lui qui veut vous adopter, dites non. Alors Yann, l'adoption d'enfants du tiers-monde par les stars. Jusqu'à maintenant, on a fait des soirées people avec des téléphones portables, les soirées Nokia, les téléphones portables à la soirée. Maintenant, on donnera des gamins à la sortie. C'est drôle, on partira ça. Avec un petit noir, un petit chinois, un petit par snobisme. Non mais on est dans le téléachat de l'être humain, ça y est, c'est fait. C'est pas un piège à con, c'est formidable. Moi, si quelqu'un de riche veut m'adopter, je suis tout à fait volontaire. Moi, j'ai jamais adopté, trouvé quelqu'un qui voulait m'adopter. Non, mais je vois pas, où est le mal ? C'est triste aujourd'hui, les parents qui cherchent à adopter, qui ont tellement de difficultés, voilà, j'en ai autour de moi. C'est, ça, c'est pas bien pour, c'est, c'est pas bien pour les gens qui peuvent pas avoir. Oui, mais de toute façon, il y a des enfants adoptés, donc ça n'a pas d'importance. Le principal, c'est qu'ils soient adoptés. Non, ça a d'importance, tu peux pas dire ça. Excuse-moi. Mais si, si, bien sûr que si. Il y a des gens qui ont de l'argent et qui adoptent, bah tant mieux. Il est remonté, attends, je vais le remonter. Vas-y. Laurence. C'est vrai que c'est une grande souffrance de ne pas pouvoir avoir d'enfants et que, évidemment, cette médiatisation, cette ultra-médiatisation, ça éloigne le débat de ce que les familles en France vivent alors que ça fait 5 ans, 8 ans qu'elles attendent pour pouvoir adopter dans n'importe quel pays, n'importe quel bébé, avec n'importe quel handicap. Ouais. Et moi, j'ai des difficultés pour avoir des enfants, c'est une énorme souffrance. Et quand j'arriverai peut-être à l'adoption, il sera trop tard parce que j'ai déjà un âge très avancé. Et qu'on ne me laissera peut-être pas adopter. Ouais. Et je veux dire, ça éloigne le débat que la loi qui concerne l'adoption en France est très mal faite. Elle empêche les gens de donner de l'amour. Voilà, ça, c'est le vrai problème. Elle empêche les gens de donner de l'amour. Elle empêche les gens d'accéder à une famille. Et moi, je suis entourée de couples qui vivent, qui se séparent, qui se déchirent, qui vivent, qui se suicident parce qu'on remplit des papiers et qu'on est traité comme un numéro et que vous n'êtes jamais assez bien pour l'enfant que vous devriez adopter. Vous êtes une star, vous. Je ne suis pas une star, ou je suis connue, mais je n'ai pas l'argent de Madonna. Et, on ne met pas mon dossier au-dessus de la pile. Et j'ai un couple atypique. Vous croyez qu'on confiera un enfant à une femme qui a 20 ans de plus que son mari ? C'est archi faux. C'est archi faux. Donc moi, je ne suis pas mieux lotie que les autres femmes. Comme la loi sur la fécondation in vitro, c'est d'une grande n'importe quoi. Je veux dire, au bout de 4 fécondations in vitro, on arrête de féconder les femmes parce que la sécurité sociale ne peut plus les rembourser. C'est fait que les secrétaires qui sont au SMIC n'ont plus le droit à être aidées. Sur la procréation médicalement assistée. C'est ça que je dis. Je dis, c'est formidable qu'elle rende un enfant heureux. C'est toujours formidable de rendre un enfant heureux. Ce petit garçon qui a une mère toxico, c'est extraordinaire s'il est heureux. Mais ça éloigne le débat de qu'est-ce que nous on fait ici. Et rien n'avance. Et vous rencontrez des familles qui disent, mais nous, ça fait 8 ans qu'on attend. J'ai 47 ans, je vais avoir peut-être un enfant dans 5 ans. Je serai une femme âgée, qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Et vous avez les ministres ou les gens qui s'occupent de ça qui disent bah, « Oui, mais nous, on veut vraiment être sûr que cet enfant aille dans une bonne maison. » Mais quand vous faites un gosse et que vous divorcez, on vous demande pas si vous avez choisi le bon mec ou si vous êtes une fille formidable. Ouais. Donc c'est une grande injustice et une grande souffrance. Voilà. Yeah. Voilà. On va passer à quelque chose de plus léger. On va faire un petit jeu. Ouais. Un petit jeu. À qui est ce cul ? Pardon ? À qui est ce cul, vous allez voir. Alors, est-ce qu'il est à Britney Spears, à Christina Aguilera ? Christina ! Ah, bien ! Je reconnais les extensions. Elle a des extensions noires et blanches. C'est effectivement le cul de Christina Aguilera. Elle est belle. Elle est belle. Très, très belle. Elle change trop de look, mais elle est belle. On continue. À qui est ce cul ?
Paul Vermus. Jennifer Beyoncé. Lopez. Beyoncé. Catherine. Beyoncé. Beyoncé. Vous êtes incroyable. Ah, mais on le reconnaît quand même un peu. Elle est. Elle a fait elle, 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 elle. Les femmes regardent beaucoup plus. Ah ouais, dis donc, les femmes regardent plus. On continue, attention, c'est pas facile. Hein. Qui est celui-ci? Donc, à Maria Carré, Marianne James. Maria Carré. Maria Carré. Ouais. C'est le papillon, moi, qui m'a. Je te jure, en préparant l'émission, je me suis dit, ils vont jamais trouver. Alors, à qui est celui-ci? Mais là, c'est plus facile parce qu'il est quand même très connu, le sien. Madonna. Non. Non. C'est entre Monica Bellucci. Monica Bellucci. Non. Jennifer Lopez. Mathieu Seigné. Il a une culture, Alice et Moon. Tu pourrais faire une maîtrise de Cubiball. Je te jure. Madonna, très bien. Voilà. Pas bon, hein. Avant. Voilà. Alors là, je suis sur le cul, c'est le cas de le dire. À qui est ce cul? Kate Moss. Jennifer Aniston. Kate Moss, bravo, Elisa Tovati. C'est vraiment très, très c'est connu. Bon de dire c'est ça. On reconnaît les gens à travers leur cul, c'est très, très fort. Et celui-ci, à qui est-il? Bernadette Chirac, Emmanuel Béart, Paris Hilton. Bernadette Chirac. Non, Paris Hilton. Je vous félicite tous, vous êtes extraordinaires. Bien, chat, absolument. C'est un jeu. Alors, on va maintenant décerner le troisième Alien d'or de la soirée, l'Alien d'or du pire prénom pour un enfant people. Ça, vous allez voir, il y en a des terribles. Il faut exprès, des fois. Alors, Paradis et Depp, ils ont appelé leur enfant Lily Rose. C'est joli. Oui. Bruce Willis et Demi Moore, ils l'ont appelé Scoot la rue. Scoot la rue. À l'école. Angelina Jolie et Brad Pitt, Chilo Nouvelle. Non, n'importe quand même quoi. Très bizarre, vraiment être tordu pour appeler son môme comme Nouvelle, ça. Nouvelle, c'est nul. Les Beckham ont appelé le môme Brooklyn. Et Charvet a appelé son môme Even Rain. Heaven Rain. Le pire, c'est quand même Scoot la rue. Unanimité. Donc pour vous, c'est Scoot la rue pour vous. Ah, Yann Moore, ça n'a rien dit. Even Rain. Scoot la rue. Scoot la rue, puisqu'on cherche l'anagramme. Scoot la rue. Et vous? Scoot la rue. Ah oui, d'accord. Ah, oui. L'alien d'or du pire prénom pour un enfant de people est attribué à Scoot la rue. Et maintenant, c'est l'heure des rumeurs, donc rumeur par rumeur. Patrick Sébastien sortirait prochainement un nouveau livre intitulé Le teint rose comme ma bite. Rumeur par rumeur. Rumeur. Après Brooklyn, qui doit son nom au fait d'avoir été conçu à Brooklyn, Victoria Beckham devrait appeler son prochain enfant Mercedes. Rumeur par rumeur. Rumeur. Arthur aurait fait réécrire certaines parties de la Torah pour avoir le droit d'épouser Estelle. Rumeur par rumeur. C'est horrible. Il en sera bien capable. C'est énorme. Rumeur. Peut-être une explication à son comportement. Jean-Luc Delarue serait le parrain d'un orang-outan du Jardin des Plantes. Rumeur par rumeur. Par rumeur. J'ai dit ça au pif. Mais t'as eu raison. C'est pas une rumeur. Ouais. Les people savent s'engager. Christophe de Chavannes se battrait au sein du collectif contre la feuille de salade sous le steak. Par rumeur. Il a horreur de ça. Absolument. Il n'y a rien d'autre à foutre. Ouais. Ça va, là, c'est... Non, je ne sais pas, quoi. Les people s'engagent. On fait ce qu'on peut, écoute. Ah. L'avocat de Christine Bravo serait Maître Canter. Non. Je n'adhère pas à ça, non. Rumeur, ouais, c'est moche. Ah. Après la Terre vue du ciel, pour des raisons de réduction budgétaire, France 2 préparerait le ciel vu de la Terre. Ah, c'est con, putain. Rumeur. C'est une mission catholique. Mais qu'est-ce que c'est con. Nadine. Par respect pour l'orthographe, Stevie se serait vu retirer par France 2 le droit de signer des autographes. Rumeur par rumeur. Rumeur, d'accord. Donc Stevie, c'est le seul que je connaisse qui fait des fautes d'orthographe en parlant. Ouais. C'est vrai. C'est pas évident à faire. Essaye, tu verras. Avant de mourir, Eric Tabarly aurait eu ses derniers mots. Ouh putain, ça glisse. Bon, rumeur. C'est petit, ouais. Mimi Mathy serait la marraine du premier salon de la miniature qui se tiendra.
qui se tiendra à Paris en juin prochain. Arrête, mais non, rumeur. Rumeur. Comment tu le sais ? Je sais pas. Comment ? Au pif. Après Mimi Mati, Passepartout sortira un album. Mon rumeur. Mon Dieu. Quoi, mais oui. Non, je zappe. C'est un album de duo, mais ils se mettent l'un sur les épaules de l'autre. Regarde. Partout, du Fort Boyard, je guide les casse-cou dans les traquenards qui rêvent de sous et de boyard. Hey ! Voilà, ce n'était pas une rumeur. Passepartout sort un album, voilà. Pas mal, hein. Ça passe pas partout. On roule dans ta voiture si tu veux, mon gars. Matisse, le fils de Joe Star, aurait mordu au visage sa nounou qui s'était approchée de lui. Bon, ça... Omar et Fred seraient rentrés dans le livre des records pour s'être rendus dans le plus grand nombre de soirées people en 2006. Ah, ça, par rumeur. C'est vrai, ça. Ils sont partout. Par rumeur. Rumeur. Vrai. Rumeur quand même. Mais... C'est pas rumeur. Bah, hein. Ouais. Loudoyon. Rumeur. Loudoyon, très amoureuse du chanteur Garou, refuserait de l'épouser pour ne pas s'appeler Lou Garou. Ah elle est bonne, elle est bonne. Ça, il t'a barli, c'est bien. Ouais. Purée. Voilà. Alors, le problème, quand on est people, ce sont les paparazzi. Évidemment, vous en savez quelque chose les uns et les autres. Hein ? Il y en a un qui est terrible. C'est Olivier Perrin. Ah, mais chef ! Chef ! Tu peux rester le bus, là ? Ouais, excuse-moi, je t'ai pas demandé. Salut, c'est là. Laisse-moi 10 secondes encore, d'accord ? Je te filerai un peu de blé. T'aimes pas les paparazzi ? Hein ? Non, j'aime pas les stars. Pourquoi ? Ah, t'aimes pas les stars, donc t'aimes bien les paparazzi ? Ah bah ouais, c'est le travailleur. Regarde, je la nique, là. Vas-y, dis-moi tout. Ouais, on se calme. Ouais, mais attendez, il y a Catherine Deneuve. Vous êtes gentil, vous êtes bon, allez. Attendez, ouais, bah, attendez, je finis. Il y a de la place, allez. Attendez, je finis. Ça va maintenant, ça va. Stop maintenant. Attendez, je finis. Poussez-vous, madame. Poussez-vous, madame. Non, monsieur, j'en ai rien à foutre, moi, de Catherine Deneuve. Je suis obligé, c'est mon boulot, voilà. Ouais, fais louper les photos. Bonjour, il y a Catherine Deneuve en face de chez vous. On peut faire deux, trois photos. On n'est pas paradis. Non, je suis désolée. On reste 5 minutes, quoi. Non. On vous paye un peu, madame. On vous donne un peu d'argent. On vous donne 100 euros, ça va ? Combien ? 100. Vous êtes belle comme ça. Merci. Voilà. Vous pouvez nous faire un petit café, mademoiselle ? Et on fait un drôle de boulot, nous, hein. Ah, baissez un peu la musique, c'est... Vous n'êtes pas aimé du tout. Oh là là, on n'est pas aimé. Et on a fait le quartier, là. Baissez un peu la musique. Au fait, sur votre mec, si vous avez des soupçons, on peut le suivre. Hein. C'est vrai ? Ouais. Excusez-moi, je peux rentrer dans votre voiture 2 minutes ? Parce qu'il y a Pascal Sevran en face. J'ai besoin juste de le shooter avec l'appareil. Franche, 2 minutes. Voilà. Ah, il est avec son mec. Il a un nouveau mec. Et il roule des pelles, là. Voilà, vas-y, roule-lui des pelles. Voilà. C'est bon. Voilà, je l'ai, voilà. Ouais, non, mais on monte juste une terrasse. Quoi ? On vous file un peu d'argent, vous pouvez nous laisser. Vous n'avez pas un appartement d'une... Si, j'ai mon appartement, moi. Vous êtes au combien ? Moi, je suis juste en haut, là. Ouais, faites voir. Merci, sympa. Hein. Je vais le shooter, là. Hein ? Je crois qu'il est à peu près par là-bas, là. Vous avez des lunettes ? Putain, vous êtes un professionnel, vous êtes un paparazzi, non ? Ici, vous avez Ed Warber, la ville plus bas, ouais. Eric Aprinski. Là, vous avez Florence Floresti qui vient d'arriver, là. Ah ouais ? Mademoiselle, vous pouvez vous mettre juste là, parce qu'il y a Catherine Deneuve en face, là, je suis en train de la filmer. Mettez-vous là, restez là, voilà, comme ça, merci. Ouais, restez là, voilà. Monsieur, vous pouvez rester là ? Viens là, tiens, mets-toi là. Attends, je fais une photo. Viens là, mais viens voir. Allez-y, fermez. Ouais, c'est bien. Voilà, c'est bon. Olivier Perrin. Voilà. Alors, Elise et Moon, donc, après un premier album très bossa nova, qui est très bien vendu d'ailleurs, vous revenez avec un album de chansons françaises, qui s'appelle Sur le fil, où vous vous affirmez beaucoup plus quand même. Hein. Oui. Non, mais c'est vrai.
Vous assumez votre artistitude. C'est très romantique, oui, oui, oui. Très nostalgique, très intime ça, aussi. J'adore ça. Hein. Ouais. Bah, vous parlez quand même beaucoup de vous, hein, de votre frère, Laurent, qui est mort du sida à l'âge de 37 ans. Alors oui, en effet, il y a une chanson sur mon frère qui est malheureusement mort du sida. Je tiens à signaler que cette maladie existe encore. Hein. Ouais. Voilà, enfin, je, non, mais on vous comprend mieux j'ai été chercher de l'émotion là où elle était, quoi. Mais... On regarde et on en reparle. Élise et Moon. Alors, il y a un truc très marrant, c'est que j'ai vu des images de ce clip qui sont utilisées comme publicité pour votre album, ouais. Et je l'ai trouvé beau. Ah, beau gosse. Beau gosse. Ah, ouais. C'est-à-dire que là, quand on vous voit d'habitude, vous faites marrer les gens et tout, et là, vous regardez avec un petit air comme ça. Non, mais c'est l'emploi, quand on est comique, on n'est pas beau. Ouais. Et quand on commence à chanter des chansons d'amour, on devient beau tout d'un coup. J'accueille maintenant Stéphane Guillon. Stéphane. Le plongeur en apnée, Loïc Leferme, meurt à l'entraînement. Faut remonter à la surface, sinon le record ne compte pas. À la Fédération d'apnée, durant le tsunami, ils ont reçu des centaines de lettres. Oui, mon mari est resté 15 jours sous l'eau. Pouvez-vous homologuer ce nouveau record? Non, faut remonter. Anthropologie, les cheveux de Ramsès II restitués à l'Égypte. On est sûr que ce sont les siens. On a déjà fait une boulette avec Jeanne d'Arc. Il y a un autre Égyptien célèbre ici, c'est Orlando. Et si on restitue ses implants capillaires à l'Égypte, ça va gueuler. Gérontologie, Michel Drucker embauche Madame de Fontenay comme chroniqueuse. Drucker toujours, dans Télé 2 semaines, Michel nous présente ses trois fifilles, Olga, virgule, et son préféré, Stéphane, un caniche royal à poil bouclé. Showbiz, Keith Richards déclare avoir sniffé les cendres de son père avec de la cocaïne. Il paraît qu'on prend la personnalité du mort. Ouais. Donc Gynéco a dû sniffer un gros naze. Nikos Aliagas, chevalier des arts et des lettres. Heureusement que le gouvernement va changer. Hein. 15 jours de plus et Stevie était décoré. Formule 1, en 2009, le Grand Prix de France pourrait avoir lieu à Paris. Oui, c'est la dernière torture imaginée par Delanoë. Toute l'année, on fait du 2 à l'heure et une fois par an, on se fera narguer par des bolides qui vont à 350. Joachim Noah, rebelle comme son père, titre VSD. Voici la photo d'un rebelle en slip sloggy. C'est impressionnant. Pascal Sevran, condamné par les prud'hommes, a payé 30 000 euros à son jardinier. Une brouille idiote. L'un voulait couper la bite des noirs et l'autre uniquement tailler les rosiers. Une bêtise. Et on termine avec William Lémergie, chevalier de la Légion d'honneur, gentil en avion, paye son jardinier. Ouais. C'est le seul type bien qu'ils aient trouvé à France 2. À la semaine prochaine. Voilà, Stéphane Guillon, merci. À la semaine prochaine. Merci Stéphane. Voilà, avant la pub, le jeu de la pub. Ce soir, le jeu du point commun. Quel est le point commun entre Demi Moore, Julianne Moore, Halle Berry, Courteney Cox, Eva Longoria, Carla Bruni, Madonna, Amanda Lear et Laurence Boccolini? Quoi? Hein? On se retrouve après la pub pour la suite de Salut les Terriens.
Rebonsoir les terriens. Rebonsoir les terriennes. Bienvenue dans l'émission qui se joue de l'actu People. Et voilà. Ils sont extraordinaires, hein, ces musiciens. Vous voulez pas faire une petite bossa, là, pendant sur... Voilà, une petite... Vas-y. Ah, c'est bien, ça. D'abord, la réponse du jeu de la pub, donc. Moi, je le fais. Ce soir, le jeu du point commun. Quel est le point commun entre Demi Moore, Julianne Moore, Holly Berry, Courteney Cox, Eva Longoria, Carla Bruni, Madonna, Amanda Lear et Laurence Boccolini? Alors... Et donc, la réponse est... Elles sont toutes avec des hommes beaucoup plus jeunes qu'elles. Bravo, bravo. Laurence Boccolini, c'était servi, quand même. Alors, Delarue, Naomi Campbell, Pete Doherty, Kate Moss, Pascal Sevran, Britney Spears, Paris Hilton, Samy Nasseri, cette saison, les People ont pété les plombs, voilà. Ils ont changé de fournisseur. On regarde et on en reparle. Ah bon? Quand t'es une star, tout est possible. De ce point de vue, la star des stars, c'est Michael Jackson. Michael, plus fort que les lois de la génétique. Changement de coiffure, changement de couleur, changement de visage. Michael, plus fort que la mort. Et enfin, Michael, plus fort que le bien et le mal. Qui vient chercher une sucette dans la poche à tonton Michael? Ça, c'est une star. Tout le reste, c'est de la gnognotte. La nouvelle coupe de cheveux de Britney Spears, un caprice d'adolescente. Les bagarres sur le parking de Samina Seri, franchement, un truc de beauf. Même la coque de Kate Moss, ça impressionne qui aujourd'hui? Dans le fond, le plus inquiétant, ce sont les vedettes qui veulent se faire passer pour Monsieur Tout-le-Monde. On fait un effort pour être le gendre idéal, et un effort pour être bien propre sur soi, et puis un effort pour être toujours poli, et à force de faire des efforts, ils peuvent devenir mauvais. Eh ouais, chez Jean-Luc, c'est son côté Michael Jackson qui a refait surface. Il a mordu un Stewart. Bravo Jean-Luc, c'est bon de se lâcher. Parce que le plus inquiétant, c'est définitivement celui qui ne craque jamais. Forcément, ça cache quelque chose. Pas vrai Zaza, tu es une bonne chienne de son papa, ça? Ça cache quelque chose. On sait quoi maintenant? Tu vous es déjà arrivé de péter les plombs, vous, Ellie, à part ce disque? Non, pourquoi? Ça fait peur. Alors, on va faire un quiz pétage de plomb maintenant, voilà. Ah bon? Alors, attention, qui a frappé un photographe avec l'antivol de sa moto? Bruno Gassio. Ah, bravo. Bâtard. Qui a couché avec une hôtesse de l'air en plein vol? C'est pas un pétage de plomb. Sans capote. Ah oui, bah, ah, ça a pété un plomb, alors. Alors qu'il se rendait d'Australie en Inde pour un congrès de c'est lutte contre le sida. Ah, d'accord. Ralph Fiennes. J'adore. Ouais, génial. Qui met des masques de Superman à ses enfants? Michael Jackson. Bravo. Oui. Qui a frappé sa femme de ménage avec un téléphone? Spider-Man. Non, 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 Naomi Campbell. Qui tire les cheveux des journalistes? Oh là. Bjork, bravo. Bjork, oui, Bjork, dis donc, elle est pas aimable. Hein. Qui a déchiré la photo du pape il y a quelques années? Shannon O'Connor. Bravo. Ouais. Qui fait croire qu'il est hétéro en s'affichant avec les plus belles... Paul Vermus. Avec qui? Alors, l'écrivain de service. Avec qui? Avec les plus belles femmes du monde, Robbie Williams. Et quoi, il est pas hétéro, Robbie Williams? Non. Oh, je savais pas, tu viens de me casser un peu. Moi, je suis hétéro. Ouais, mais t'es pas Robbie Williams. Ah ben, je sais aussi. Qui s'est fait choper en train de baiser dans les toilettes? Encore? Ouais. George Michael. Ouais, ah bien. Ouais. Qui s'est fait payer 30 000 euros en liquide pour aller chez Stéphane Bern? Catherine Deneuve. Catherine Deneuve, bravo. Non. Qui s'est fait faire une gâterie par une prostituée de Hollywood Boulevard? Hugh Grant. Qui a sauté sur un canapé pour dire à quel point... Tom voilà. Oh, il était ridicule, le pauvre garçon. On a le film, tu vois, c'est énorme. Regarde dans quel état il est, tu vois. It happened to you. I'm in love. We've never seen you behave this way before. I know. Have you ever felt this way before? Voilà, Tom Cruise, qui a menacé un animateur radio de lui... Dans Gene Echo. Ouais. Ouais. On va regarder à quoi ça ressemble. On va te plier en deux, on va te faire manger tes couilles, je vais t'arracher tes couilles, je vais te bouffer le cul, je vais te lécher la chatte. Fais attention, respecte ce mec-là, c'est un adulte, là, je sais pas, il a 50 ans. Dernière question de notre quiz pétage de plomb. Ah, encore, hein. Qui a collé un œil au beurre noir à sa petite amie qui voulait le Mustapha. Quitter? Oui.
tu fasses un DES, toi, Mathieu. Là. Un DES de quoi? Bah, de people. S-people. Agrégé de people. Voilà, on passe maintenant à notre grand jeu, le champion de l'actu. Alors là, c'est pas un quiz pour rigoler, on compte les points. À la fin, il y aura un vainqueur ou une vainqueuse. Qui gagne quoi? Dire ce que tu gagnes, toi. Mais apparemment, tu gagnes pas la même chose que moi. C'est pas le même sextoy. Ouais. En ce moment, Brigitte Bardot sort avec Guillaume Pelletier, le petit-fils de Benito Mussolini, Alain Bougrain-Dubourg ou Débéquille. Débéquille, bravo. Ah oui, ah oui. Laurence Boccolini. Brigitte Bardot sort avec Débéquille. C'est horrible. Paul McCartney se console de sa rupture avec sa femme en compagnie de Marie Heineken, Camilla Cronenbourg, Sabrina Guinness ou Jessica Corona. Sabrina Guinness. Putain. Ah, ouais, c'est dingue. On est mort. Ah, Laurence, extraordinaire. Une fraction de seconde avant. Qui a dit « J'ai toujours aimé la compagnie des travestis, pourquoi le cacher ?» Patrick Sébastien. Oh là là. Oh là là. Incroyable. T'as un salon de coiffure ou quoi? Ah. Qu'est-ce que Ali Berry a révélé cette semaine? Elle est la nièce de Chuck Berry. Pardon. Sa mère travaillait à la Halle aux vêtements de New York, d'où son prénom. Elle a tenté de se suicider il y a quelques années. Elle n'est pas noire, c'est du maquillage. Ou elle est scientologue, mais modérée. Scientologue. Elle a tenté de se suicider. Bravo. Alors, tu sais, toi? Non, j'ai suivi ce qu'elle disait. Tu te mets dans la roue comme ça. J'adore. Attention. L'actualité la plus récente de Sophie Thalmann, c'est membre du jury du meilleur doudou de l'année. Invité d'honneur à la soirée Monsieur Meuble à Ris-Orangis, chroniqueuse à l'essai sur Direct 8, modèle pour des photos de charme dans Tiercé Magazine. Direct 8. Ou une dépression nerveuse. Le doudou de l'année. Le doudou de l'année. Oh, mais elle est très forte. Mais c'est pas vrai. C'est trop fort. J'en connais une qui va être champion de la cuisse, tu veux, c'est réglé. J'en connais une qui va gagner. Ah ouais, ah ouais. Mais je sais pas ce que je vais gagner. Chut. Qui n'a pas annoncé son mariage pour cet été? Tony Parker et Eva Longoria, Pierre Arditi et Evelyne Bouix, Jean-Pierre Pernaut et Nathalie Marquet, Doc Gynéco et Christine Angot. Doc Gynéco et Christine Angot. Encore une fois, Laurence. Mais non, Bocconi. Mais ils ont tous dit Mais non, tu l'as dit avant. Ils se mettent dans ta roue, j'ai bien vu comment ils font. Chut. Avec quelle animatrice télé Dave a-t-il reconnu avoir eu une aventure? Daniel Gilbert. Marie-Ange Nardi, Sandrine Quétier, Olivia Adriaco, Sophie Favier ou Marc-Olivier Fogiel. Sophie Favier. Marc-Olivier Fogiel. Non. Sandrine Quétier. Marie-Ange Nardi. Non. Marie-Ange, oui. Olivia Adriaco. Mais si. Mais si. Dave avec Olivia Adriaco. Du goût, les PD, hein. Oh, le ministre d'État de Monaco s'appelle Jean-Paul Proust, Jean-Paul Sartre, Jean-Paul Baudelaire, Jean-Paul Hugo ou Jean-Paul Belmondo. Proust, 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 Proust. Vermus. Il est incalable sur Proust. Mais c'est un ancien préfet, on le connaît, lui. Alors, Laurence contre le reste du monde. C'est-à-dire que vous allez jouer les quatre contre Laurence. Oh non, pourquoi? Le duo gagnant. Qui a déclaré « Je n'ai pas une tête de princesse tous les jours », Camilla Parker Bowles, Stéphanie de Monaco, Clotilde Courau, Princesse Erika ou Zazie. Princesse Erika. Non, Zazie. Zazie. Élie Semoun. Donc c'est le reste du monde qui gagne. Le reste du monde gagne. C'est pas vrai, les belles. Qui a dit « Ma mère avait des couilles ». Élodie Gossuin, Carlos, Jean-Marie Bigard, Eva Green ou Ludovic Chancel. Carlos. Bigard. Ludovic Chancel. Non. Eva Green. Non. Eva Green. Par élimination, ça ne devrait pas marcher. Hein. Mais qui compte, hein. Comment s'appelle le chien de Magloire? Ma couille. Magloire Junior, oh, non.
Paris Hilton, Place Vendôme, Tinkerbell 2 ou Miss 6. Place Vendôme. Place Vendôme, bravo. À l'issue du duo gagnant qui est en tête, Stéphane. Égalité, c'est donc la mort subite qui va vous départager. On refait le match. On refait le match. Attention. Attention. Quel est le point commun entre Russell Crowe et Patrick Sébastien? Ils ont tous les deux agressé un réceptionniste d'hôtel avec un téléphone. Ils sont tous les deux présidents d'un club de rugby. Ils sont tous les deux fans de clubs échangistes où ils se grattent les couilles sans arrêt. Rugby, tout... rugby, rugby. Égalité parfaite, parfaite. Le vainqueur de ce champion de l'actu est tout le monde. Voilà, c'était Salut les Terriens avec Laurence Boccolini, le maillon faible, dimanche à 17h50 sur TF1. Elisa Tovati, Je ne mâche pas les mots, avec la nouvelle chanson 9 mois. Elise Moon, excellent album sur le fil, merci. Yann Moix, Paul Vermus, France Soir, France 2, France 3 et VSD. Je vous laisse avec mes amis de Groland. Rendez-vous la semaine prochaine. Salut les gars. Pour être sûr de ne rien rater de Inarditude, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.